cet air. Tu feras en sorte que tous pratiquent sa vérité, que tous vivent sa parole et l'aiment sincèrement. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, que Dieu notre Père et Jésus-Christ notre Seigneur vous donne la grâce et la paix. Sumaye mbokki ci ngam gi ganaw biñu kumbale xewtew yekati ko suñu borom Yesu Krista ci asaman ascension ñu ngi xaar legi ndikum xel mu sellami ci xewtew pantokot xel mu sellami moy dolel bepp kertien ci sas gi mu jot niki yene katu yekle gu neex gi di it lewansilu suñu borom Yesu Krista xel mile mo don leral apotar yi ngir ñu wasare fu nek lewansil bi niki apolos nañu don deug yene katu li ñu gem ngir lile meuna antu nañu dangu dundé batu yalla nonu ñu doon isédé u takku isédé u suñu borom Yesu Krista. Prions le Seigneur. Avant de s'en aller près de toi, notre Père, ton Fils promis aux apôtres l'Esprit Saint. Ils ont reçu de toi des grâces innombrables qui leur ont fait connaître les choses d'en haut. Répands maintenant sur nous les mêmes dons de l'Esprit. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Après avoir passé quelque temps à Antioche, Paul partit. Il parcourut successivement le pays de Galate et la Phrygie, en affermissant tous les disciples. Or, un Juif nommé Apollos, originaire d'Alexandrie, venait d'arriver à Éphèse. C'était un homme éloquent, versé dans les Écritures. Il était instruit du chemin du Seigneur dans la ferveur de l'Esprit. Il parlait et enseignait avec précision ce qui concerne Jésus. Mais, comme baptême, il ne connaissait que celui de Jean le Baptiste. Il se mit donc à parler avec assurance à la synagogue. Quand Priscille et Aquila l'entendirent, ils le prirent à part et lui exposèrent avec plus de précision le chemin de Dieu. Comme Apollos voulait se rendre en Grèce, les frères l'y encouragèrent et écrivirent aux disciples de lui faire bon accueil. Quand il fut arrivé, il rendit de grands services à ceux qui étaient devenus croyants par la grâce de Dieu. En effet, avec vigueur, il réfutait publiquement les Juifs en démontrant par les Écritures que le Christ, c'est Jésus. Parole du Seigneur Tout-Puissant. En cette ère, tu feras en sorte que tous pratiquent sa vérité. Dieu est le roi de toute la terre. Tous les peuples battaient des mains. Acclamez Dieu par vos cris de joie, car le Seigneur est le Très-Haut, le Redoutable, le Grand Roi sur toute la terre.
car Dieu est le roi de la terre. Que vos musiques l'annoncent. Il règne Dieu sur les païens. Dieu est assis sur son trône sacré. Les chefs des peuples se sont rassemblés. C'est le peuple du Dieu d'Abraham. Les princes de la terre sont à Dieu qui s'élève au-dessus de tout. Dieu est le roi de toute la terre. La lumière lui indiquait la voie de la pratique. Alléluia, nanle nauma galborombi. Alléluia, dege chofelam amuldayo. Je suis sorti du Père et je suis venu dans le monde. Maintenant, je quitte le monde, je pars vers le Père. Alléluia, nanle nauma galborombi. Alléluia, nege chofelam amuldayo. Le Seigneur soit avec vous. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Amen, amen, je vous le dis, ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donnera. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez et vous recevrez, ainsi votre joie sera parfaite. » En disant cela, je vous ai parlé en image. L'heure vient où je vous parlerai sans image et vous annoncerai ouvertement ce qui concerne le Père. Ce jour-là, vous demanderez en mon nom. Or, je ne vous dis pas que moi, je prierai le Père pour vous, car le Père lui-même vous aime, parce que vous m'avez aimé et vous avez cru que c'est de Dieu que je suis sorti. Je suis sorti du Père et je suis venu dans le monde. Maintenant, je quitte le monde et je pars vers le Père. Cette parole, c'est le message de la foi que nous proclamons. En cette ère, tu feras en sorte que tous pratiquent sa vérité, que tous vivent sa bien-aimés dans la foi. Dans la page d'Évangile proposée à notre méditation en ce samedi de la sixième semaine de Pâques, Jésus donne une recommandation à ses disciples qui est de prier en utilisant son nom. Voilà une recommandation non négligeable. Mettre en pratique ce conseil fraternel, c'est bien consolider notre foi en Jésus. Cet acte de foi n'est pas conditionné par la réponse que nous attendons de notre prière. Ainsi donc, le thème central de cet évangile que nous méditons aujourd'hui est celui de la prière. Mais qu'est-ce que la prière pour le chrétien? La prière est l'action de parler à Dieu. Elle est l'arme du chrétien ou encore la respiration de l'enfant de Dieu et de l'Église de Jésus-Christ. Elle est la manifestation de la puissance de Dieu. On pourrait aussi dire que la prière est comme un pass Internet, le Wi-Fi qui nous permet de nous connecter à Dieu. Elle nous met, pour ainsi dire, en ligne directe avec notre Dieu. Mes bien-aimés, quand nous sommes en prière, ne demandons pas seulement pour demander. Cependant,
adressons à Dieu notre Père par Jésus des demandes réalistes et saines, pour ne pas dire saintes. La prière n'exige pas beaucoup de paroles. La conscience de notre conduite et de nos actions valent mieux que les mots que nous disons. Jésus, en apprenant à ses disciples à prier le Pater, leur disait « Dans vos prières, ne rabâchez pas comme les païens. Ils s'imaginent qu'en parlant beaucoup, ils se feront mieux écouter. » Matthieu 6, 7. Ainsi donc, que nos demandes soient ordonnées au salut de notre âme, au salut du monde. Sachons prendre du temps pour prier. Si nous ne trouvons pas le temps de prier, nous sommes alors plus occupés que le Seigneur ne le désire. De nos jours, nos emplois du temps sont bien souvent surchargés par le travail, la famille, les loisirs, etc. Attention, danger. L'activisme, même religieux, peut nous faire perdre l'essentiel. Et l'essentiel, c'est la communion avec notre Père Céleste dans la prière. La prière fait de l'enfant de Dieu un être avisé. Car celui qui veut la victoire commencera par la prière. Nous connaissons tous cette expression « Ne mettons pas la charrue avant les bœufs ». Eh bien, qu'il en soit ainsi dans notre vie chrétienne. Cette relation intime devrait se baser sur une confiance inébranlable à Dieu, car le Père aime tous ceux qui ont cru en son Fils. Et ce dernier nous dit, « Demandez et vous recevrez, et votre joie sera parfaite. » Jean 16, 26. Voilà ce qu'il ne faut jamais oublier. Tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai pour que le Père soit glorifié dans le Fils. Car le Père ne peut rien refuser à quiconque prie au nom du Fils bien-aimé. Qui a le Fils a la vie, et qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. 1 Jean 5, 12. Mais prions-nous réellement au nom du Christ? Le Christ est le Fils de Dieu. Il vient de Dieu. Voilà une vérité qu'il fait résonner dans nos oreilles à la fin de l'Évangile. Je cite, « Je suis sorti du Père. Maintenant, je quitte le monde et je pars vers le Père. » Fin de citation. Parce qu'il est le Père de Jésus, que Dieu est aussi notre Père, nous baptisés. Nous sommes fils de Dieu dans le Christ et par l'Esprit Saint. Cette filiation doit toujours nous encourager à nous abandonner à ce Dieu Père qui nous aime. Frères et sœurs en Christ, dans le quotidien de notre vie, efforçons-nous à répondre à cette invite du Christ à la prière confiante, surtout en cette période de pandémie du COVID-19. Avec foi et confiance, unissons nos cœurs et supplions Dieu, le Père, par Jésus, de délivrer le monde de cette pandémie. Nous savons et nous croyons que le dernier mot durant cette période de trouble, de peur, de méfiance réciproque revient à Dieu. Et puisque notre seul espoir est en ton nom, Seigneur, ne tarde pas
viens nous sauver. Vierge glorieuse, Notre-Dame de Morolland, tu as choisi cette colline depuis plus d'un siècle pour y être honorée d'un culte spécial. Jette ton regard sur cette terre, sur notre pays et sur le monde entier. Par ton intercession et par la bonté de ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, ceux et celles qui ont imploré votre assistance ont trouvé grâce, réconfort et consolation. Tu as fait revenir en eux les joies et les fêtes, comme aux noces de Cana en Galilée. En ce moment où l'humanité entière subit la pandémie du coronavirus, nous levons les yeux vers toi. Nous avons besoin de ton aide maternelle. Au pied de la croix de ton Fils Jésus, tu as partagé sa douleur. Intercède maintenant pour nous auprès de Dieu notre Père pour la cessation de ces fléaux, la guérison de tous les malades, la protection du personnel sanitaire, la consolation aux familles endeuillées et le salut de tous ceux qui y ont perdu la vie. Notre-Dame de Morolland, par ton intercession, que triomphe la foi sur la peur, la solidarité sur l'égoïsme et la vie sur la mort. Sous votre protection, nous venons nous réfugier, Sainte Mère de Dieu. Ne rejetez pas les prières que nous vous adressons dans nos besoins, mais délivrez-nous de tous les dangers. Vierge glorieuse et bénie. Amen. Prions le Seigneur. Nous venons de communier, Seigneur, au don sacré de la parole de ton Fils, et nous te prions humblement que cette parole, offerte en mémoire de lui, comme il nous a dit de le faire, augmente en nous la charité par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Quand vous la mangez, sans elle, vous ne trouverez pas la voie.